La culture, un remède pour atteindre le bonheur? Est-ce que ça se peut? On est certain que oui. La culture nous fait du bien. Elle nous fait vivre des émotions à travers un film, un livre, un atelier de poterie, un spectacle d'humour, une chanson, une peinture ou même lorsqu'on crée une œuvre. Vous l'avez vécu cette fois où, suite à une mauvaise nouvelle, vous êtes allé vous promener dans le parc du quartier. Vous entendez au loin une musique qui vous semble familière. Intrigué, vous vous rapprochez du centre de la place et voyez un écran géant qui diffuse un film réalisé par un artiste local bien connu. Vous ne vous y connaissez pas plus que ça en cinéma, mais celui-ci vous rappelle un souvenir d'enfance. Vous vous rappelez votre père qui adorait écouter le dimanche soir des courts-métrages qui passaient en rediffusion. Vous repartez chez vous, le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête, comme si la passion de votre père vous permettait de passer au travers de cette dure épreuve. Quand on intègre la culture dans nos habitudes, on en ressent les bienfaits et on ne peut plus s'en passer. Lorsqu'on pratique une activité culturelle ou artistique pour le plaisir, ça nous amène à sortir de la maison, à se déplacer, à être actif, bouger, à rencontrer des gens. Tout ça, c'est bon pour la santé. S'allier à la culture et à l'art, c'est s'allier au bonheur. Faites partie de la culture, elle vous appartient.